monde du football, les tensions diplomatiques entre l'Algérie et la Confédération africaine de football persistent. Une guerre froide s'installe, marquée par un silence diplomatique. Les récents événements n'ont pas apaisé les relations, notamment l'affaire du maillot de la honte de l'AS Berkane. Malgré les efforts de rapprochement de l'Algérie, la CAF semble insensible, préférant ignorer les appels à la solidarité. L'Algérie a démontré sa capacité à organiser des tournois majeurs, mais a été déçue par le rejet de ses candidatures. Cette situation a conduit à une rupture des relations et à un retrait stratégique de l'Algérie, laissant la CAF livrée à elle-même. La CAF lance des appels à candidature pour plusieurs compétitions, mais l'Algérie reste indifférente à cette tentative de rapprochement. Malgré les propositions intéressantes pour l'organisation de la Supercoupe CAF 2024, l'Algérie maintient son silence diplomatique comme moyen de pression. Ce choix de retrait vise à faire réagir la CAF et à exprimer sa colère de manière diplomatique, dans l'espoir de provoquer un changement dans les relations tendues entre les deux parties.